I think the girls with their nails done wrong. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur Resident Evil 7. Lucas vient de nous enfermer dans la salle où c'était joyeux anniversaire, d'ailleurs il y a un petit souci d'éclairage, d'accord. J'espère que vous allez bien, on est parti du coup pour ça. Donc si je comprends bien, on est dans la même pièce, il y aura peut-être les mêmes objectifs. Attendez. Attendez. Allez, un sauvegarde. Je pense que c'est la flamme qui m'a fait peur, mais j'ai cru voir quelque chose au sol. Il me fait des flips tout seul et j'aime pas trop. Que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con! Ethan, ton langage! Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part, enfin je crois. J'en sais trop rien en fait. Il y a des enfants dans ce bâtiment, donc il y a peut-être Evelyn du coup. Bon, on connaît. Donc ça, il faut pas le déboucher. Donc. On connaît le code. Si il est bête, il a laissé le même code. S'il est pas bête, normalement, on devrait s'en sortir sans trop de difficultés. Voilà. Alors, est-ce que le ballon est utile ou pas? Je ne sais plus. Ouais, je me disais bien. J'ai préféré m'écarter. On sait jamais. On sait jamais. Donc le doigt. Ça, on n'en a pas besoin. On peut lui mettre si on veut, mais... Voilà, ici, est-ce qu'on a quelque chose d'autre qu'un télescope? Non, pas besoin. On connaît tout, donc on n'a pas besoin de faire les pièges qui étaient déjà proposés. Donc ici, on a juste à récupérer ça. À brûler la corde. À récupérer le ballon. À marquer loser ici. Alors, c'est pas évident de changer les lettres avec un joystick. Hop. Du coup, la manivelle. Et vu qu'on n'a pas ouvert le bidon de vin, on a tout gagné. Le ballon était même pas obligé de le récupérer. Il va nous traiter de menteur, c'est sûr. Ah, il va exploser. Voilà, donc je pouvais rien faire malheureusement. Espèce d'enfoiré, t'es censé mourir. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Cours, 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 cours.
Tic-tac, tic-tac. Jolie explosion. C'était censé être pour toi, putain de merde. Alors. Il vient de se barrer un instant. Mia? 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 Qui es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. Fais vite. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? T'as... mort? Le moment est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance! Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille... Ce serait te raconter la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. La tête. Enfin. Alors la save, ça c'est cool. On peut récupérer le matos. Donc. Alors, si je dis pas de bêtises, la réplique. Je prends. Il me semble que j'avais récupéré un kit de... trucs, je sais plus. Non. Je pensais avoir récupéré un kit. Bon. On va poser le ballon, ne sert à rien. Allez, on reprend tout ce qu'on a. Donc le crochet, la... le fusil, le pistolet, le lance-grenade, le lance-flamme, les munitions, les grenades, la pièce, pas forcément, le bras, combustible, le supplément, voilà, on n'est pas trop mal. Alors, par contre, ça m'a mis les armes dans le désordre. Voilà, histoire qu'on sent un peu mieux. Le lance-lame, il va aller. Là, ça, là et ça, là. Ok. Pour changer un peu les armes de place, c'est un peu galère. Et on sauvegarde, du coup, par ici. Ça, je vais te changer de sauvegarde à chaque épisode. T'as fait deux fois du haut, un coup bas, et non, c'est pas ce qu'il faut. Allez, parti! Je n'ai pas de quoi me soigner. C'est un peu tendu. Comme d'habitude. Et let's go. Je crains que ce soit aussi simple que ça. Rien. Ça c'était très malin d'avoir mis ça là. 9 cartouches de fusil à pompe. C'est énorme. 6. Pas 9. De ce que j'aurais pu savoir, c'est qu'il y avait un nouveau fusil à pompe, il fallait prendre un kit de réparation. Mais j'ai dû l'utiliser pour rien. Alors, il me faut la manivelle. C'est un peu compliqué à force là. Lance-lame, il est rechargé. Ouais, ça c'est chargé, 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 ok. On va s'en sortir. Allons choper Lucas. J'arrive, Mia. Mi amor. Allez. Je sais pas où est-ce qu'on se dirige, mais on y va. Alors le fait qu'il y a un chemin... Moi si je vois le chemin le plus court je le prends jamais parce que c'est jamais bon signe. Je me méfie des caisses maintenant. Et énormément de balles, c'est bien ça.
Alors peut-être que j'aurais pas dû utiliser tout de suite. J'ai plus de place dans l'inventaire, on est d'accord, oui, c'est ça. Je vois. Alors en espérant qu'il n'y ait pas autre chose à prendre en plus. De l'herbe. Il faudrait que j'enlève quelque chose, mais quoi? J'aime bien le jeu, franchement. Je préfère celui-ci par rapport. On va dire au 3, peut-être le 2. Bon, le 2 était vraiment long. Et c'était des gros épisodes que j'avais sortis sur le. Sur le R2 Remake. On a un soin ici, ça m'embête. Stimulant, je vois pas trop à quoi ils servent. Je crois que c'est le truc qui permet de voir tous les petits objets qu'il y a planqués autour. Et je me doutais bien qu'il allait avoir une connerie pareille. Wow, c'était efficace. J'ai même mis une meilleure balle de ma vie. Bref. Bref. J'aurais pu me barrer directement. Je suis coincé contre la barrière. Allez, hop, la petite galipette. Allez, t'en veux une. Voilà. C'est bon, il n'y a plus personne. J'aurais pu m'enfuir directement. C'est vrai quoi, en plus il y avait tout qui était élevé. J'aurais dû juste courir au lieu de cacher toutes mes balles. Ou pas. Alors par contre, voilà, la petite balle de pistolet qui arrive à tuer le... Ah, cours. Ah mais est-ce qu'il est rapide? Mais temps de faire demi-tour, c'est lent, c'est tellement lent. Il m'a loupé. Allez, on s'enfuit, on le laisse tomber. Hop. C'est pick-up. Il a disparu. Ah ouais. Mission. La poudre. Les psychostimulants, voilà, c'est ça qu'il y avait tout à l'heure. Des grenades incendiaires, ça veut tout dire. Du soin. Cartouche de fusil. Ok. Tout va bien. Manivelle. On n'a peut-être plus besoin. Ça, non, pas pour l'instant. Du soin, veux-tu en voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Un soin, deux soins, on prend. Hop, des soins, c'est fait. Tac, tac. Déplacer ça là. Ça, on va déplacer ça là. Une munition, on va mettre ça ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y avait encore des balles de pompe. On prend. Des pompes, on veut-tu en voilà. Le crochet. Capitaine Crochet, il me sert à rien pour l'instant. On va recharger le pompe. J'étais sûr d'avoir mis un kit de réparation quelque part. Clé, fausse. Y'a rien. Je vois pas ce que j'en ai fait du kit de réparation. Contient un puissant poison agissant sur le système nerveux. Oui, mais ils sont déjà assez nerveux les zombies, donc ça sert à rien de... De leur mettre sur eux. Je vois pas trop à quoi ils pourraient servir. Grenade là. Allez, on est parti. On peut plus rien faire, hein, non.
Je trouve le kit de réparation, je l'ai même pas pris parce que j'avais pas de place. Oh, mais il fait peur. Ça sent le boss. Zoé ? Zoé ? Pas maintenant. On n'a pas le temps. Est-ce que tu as les ingrédients ? Je les ai. Ça suffira, non ? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Bon, on fait le sérum et ensuite... Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Il y en a un pour moi. Zoé, Zoé, tu louches à la maison. Tu peux tout faire pour moi, plus tard. On est parti pour le boss. Bon, bah, allez, ça risque d'être un long épisode. Hein. J'ai tout loupé. C'est trop balèze. Ok, je pense qu'il faut viser quand c'est bien gonflé. C'est trop dur parce qu'il faut le battre entièrement là. Puis après, il y a une autre phase. Et là, c'est encore plus dur. Il a rien sur son dos, c'est ça le pire. Oui, il faut attendre que ce soit bien gonflé, d'accord. Je commence à capter. Je connais pas cette mécanique encore. Ok, il m'a tapé. C'est trop chaud là. Il fait que de bouger. C'est insane. Regardez, fusil à pompe. Lance-grenade, je garde pour la fin. Ok. Il est trop chaud. Vous savez, ça fait 20 minutes que je suis sur le boss. J'arrive pas à le shooter correctement. Ok, je l'ai vu. Bon, c'est loin, c'est pas évident. Qui descend, ce serait pas mal. Allez, descends. Tu veux pas descendre? Tu veux pas descendre? Je... Allez, prends ta tête. Ok, descends. D'accord, m'a foutu un coup de queue. Bah oui, si tu veux. Hop, couplé. Voilà, dans ta tronche. Ça, c'est pour m'avoir mis un coup de queue. Allez, on remonte, on va aller chercher ce qu'il y a au-dessus, à l'étage. Il est pas facile, hein, ce jeu. Vraiment. Fait tomber. C'est pas la première fois qu'il me fait tomber. Il est trop chaud. En fait, on est tellement lent face à un boss qui, on va dire, assez lent, mais avec des attaques encore plus lentes et qui couvre un grand secteur de l'endroit et...
Il m'a fait encore tomber, donc ça devient assez pénible à force. Voilà, tu peux pas trop toucher non plus, il fait que de bouger et... Ouais, il n'y a aucun de ses points faibles visible sur son attaque. Il redescend. Et comme il en a sur le dos et sur le ventre, c'est assez compliqué sur le sur son ventre justement. Donc ça c'est bien Jack hein, qu'on affronte. Sur sa peut-être sa dernière forme. Et vu qu'il a l'air assez vénère. Et je vois pas trop ses dernières attaques. Voilà, il y a par là. Ok, c'est loupé. Ok, c'est loupé. C'est pas mal. Allez, vas-y, monte. Encore fait tomber. Allez! Voilà, je tue. C'est pénible, il est pénible, Jack, t'es pénible. Descends, voilà. Bon gamin. Ça est bien là-dessus. Ok, on est bien là-dessus. Donc là, il passe en phase finale. J'ai combien de soins? Deux soins? C'est pas ouf. C'est pas ouf de soins. Donc c'est ici que j'étais mort. Hein. C'était risqué. Ok, on recharge à chaque fois et on se met à couvert. Voilà. Cette fois, je crois que j'ai tout vu. Oui, je pense qu'on a tout vu, moi aussi. 25 minutes pour en venir à bout. Eh ben. Eh ben. Alors, on a encore quoi? Encore un soin. On peut rien faire. Fouf. Eh la vache, la vache. Ethan, par ici. C'est pas fini. Je pensais que c'était terminé, mais non. Utilise le sérum sur lui. Allez, viens, Mia nous attend. Voilà, il y en a plus. Bon. Et puis on va s'arrêter là, devant Mia et Zoé. J'espère que cet épisode 11 vous aura plu, vraiment un bon combat. En tout cas, vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve à très vite. Ciao!